Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Union Scribon. En dessous de cette vidéo, c'est tous abonnés. Cliquez là-dessus, abonnez-vous et activez également la cloche de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous devons adorer Dieu, sinon Dieu seul n'adore jamais un autre Dieu à part le vrai Dieu. Sinon, ce sera des démons que vous serez en train d'adorer. Ah, ça veut dire qu'il y a un seul Dieu. Ne vous trompez pas, ne vous laissez pas séduire. Il y a effectivement un seul Dieu. Et ce Dieu, c'est l'unique Dieu. Mes frères et sœurs, l'unique Dieu que je vous présente aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ et le Dieu le Père, celui qui a créé les cieux et la terre. Et tous ceux qui sont à côté de cela, tous ceux qui sont autres que cela, waouh, ils adorent le diable directement. Pourquoi? Parce que les dieux qui sont dans les statues sont des démons. Les dieux qui se trouvent dans les eaux que les gens adorent sont également des démons. Généralement, on l'appelle les sirènes. Les sirènes sont des démons, les frères et sœurs. Les sirènes sont des démons. Alors, n'adorez pas la sirène. N'adorez pas la sirène. N'adorez pas la sirène. Vous savez qu'il y a des gens qui adorent la sirène pour le succès. Pour le succès, les gens s'unissent. Ils font même des enfants avec elle. Et ce sont ces enfants qu'on appelle les hommes démons. Alors que le Seigneur nous dit quoi? Dieu lui-même nous dit que nous devons adorer lui et lui seul. Évitez d'aller dans les endroits où on adore des statues. Parce que la nuit, ces statues que vous voyez là se transforment en êtres humains. En fait, se transforment en d'autres créatures, en des démons. Pour venir tourmenter beaucoup de personnes. Et là, on ne raconte pas que des bêtises. Je vous raconte l'histoire maintenant. Pourquoi Dieu lui-même nous demande de ne pas adorer d'autres dieux que lui? Vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi Dieu a dit ça. Voici l'histoire. Vous savez que sur la terre, il y a des hommes. Tout le monde le sait. Mais il y a également des satanistes, des sorciers, des agents du diable qui sont là et qui cherchent à se perfectionner, à augmenter leur pouvoir. Dans cette quête de recherche de pouvoir, voici que un sataniste est allé voir un de ses devanciers pour qu'il lui donne de la puissance. De la puissance. Quand il est arrivé là-bas, ce féticheur lui a dit que c'est vrai, tu es sorcier, mais moi je vais te donner une autre forme de sorcellerie. Et cette sorcellerie que je vais te donner là, elle parle. Il dit, mais comment, quelle sorcellerie qui parle? Depuis quand la sorcellerie, c'est quelle sorcellerie qui parle? Comment ça? Comment est-ce possible? Il dit, moi, ce que je vais te donner là, on l'appelle le Kajosi. Kajosi, c'est une petite statue comme ça. Une statuette. Mais cette statuette là, quand tu lui chantes une chanson, la fumée sort de son nez. Et elle se transforme en quoi? En homme. En une créature, une personne. Et elle a la capacité de prendre l'aspect de tous les humains. Elle peut prendre l'aspect de tous ceux qui sont autour de vous. Et elle peut même faire, prendre vous-même votre aspect et faire quoi? Elle peut tout simplement faire ce que vous faites, parler comme vous parlez, même, en fait, faire tout ce que vous faites. Elle peut même aller dans votre maison, aller même chez vos copines. Elle peut faire tout ce que vous faites. Waouh! Waouh! Et on l'appelle le Kajosi. Quand il a pris cette statuette, que s'est-il passé? Quand il est arrivé à la maison, il a fait exactement comme le féticheur, lui a, ou son dévancier, dans le sataniste, lui a prescrit. Et quand il est arrivé à la maison et qu'il s'est mis à chanter, waouh! Effectivement, cette statue-là a commencé à bouger, les frères et sœurs! Vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi Dieu lui-même, il nous dit de ne pas adorer d'autres dieux que lui. Cette statue que vous adorez là, elle a commencé à bouger, à se mouvoir. Elle est devenue une créature très laide. Vilaine créature. Et il a demandé à cette créature de se transformer en lui-même.
Donc cette créature s'est métamorphosée et a pris sa forme. Et sa forme que cette créature a prise là, pouvait aller travailler à sa place. Pendant que lui s'amusait. Oh là 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 là. Hey! Hey! Si tu aimes cette vidéo, laisse un like, ça nous ferait vraiment plaisir. Abonne-toi de cette vidéo, clique sur la cloche, ne pas manquer la prochaine vidéo. Mais cette créature pouvait faire tout ce que vous vous apprêtiez à faire. Et cette créature-là est allée où? Dans son boulot, au travail. Lui, il était garde-corps, il surveillait un haut placé de son pays. Mais le problème, c'est que le haut placé aujourd'hui, là, les gens ont dit haut élevé, là, ils sont dans le satanisme aussi. Et il se trouvait que lui, son patron, qui était un haut placé de la société, a ouvert ses yeux spirituels et il a vu que ce n'est pas lui, c'est une autre créature qui est là, c'est un démon qui est là. Et quand il a découvert cela, il a dit aux autres gardes, comme lui, ses collègues, allez le chercher, le Kalumba, c'est comme ça qu'il s'appelle, Kalumba. Allez me chercher Kalumba. Et ils étaient étonnés, ils se demandaient, mais est-ce que le chef a bu ou bien il se porte bien? C'est pas Kalumba qui est là. On dit, allez chercher, allez chez lui. C'est comme ça, ils sont allés où? Chez cet homme. Et ils l'ont trouvé ivre à la maison. Waouh! Ils étaient dépassés par ce qu'ils venaient de voir. C'est ça la sorcellerie qui parle. Et les autres dieux. Quand le Seigneur nous dit de ne pas adorer les autres dieux, voici les conséquences. Et cette statue a commencé à faire quoi? Tuer des gens autour de lui. Pourquoi? Parce que cette statue a besoin de quoi? Du sang humain pour augmenter sa force et sa puissance. Est-ce que vous voyez ce que ça donne? Waouh! Est-ce que vous voyez ce que ça donne? Ça veut dire que les statues que nous avons, les statues devant lesquelles les gens se prosternent, sont en fait des démons qui ont la possibilité même de se transformer, entrer chez eux et sacrifier des gens chez eux. Tu ne vas jamais savoir que c'est la statue que tu adores là qui est en train de te créer les problèmes à la maison. Tu ne sauras jamais ça. Mais c'est ce qui est à la base de ton problème. Aujourd'hui, Nyans Rebond t'ouvre les yeux aujourd'hui pour te dire, ne va jamais adorer d'autres dieux. Sinon, ce sera le diable lui-même que tu vas adorer. Adore Jésus-Christ seul, car c'est lui seul qui peut te sauver, lui seul qui peut te délivrer et te donner la vie. Car Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, c'est la vie que nous vous présentons aujourd'hui. Abonne-toi à cette vidéo, active également la cloche et ne manque pas la prochaine vidéo. Nyans Rebond.